Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con malgré lui et le con satisfait de l'être. Il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations. Être con n'est pas vraiment gênant en soi. Non, l'ennui, c'est que les cons se sentent souvent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous, vous êtes du genre sans modération. Hein. Toujours volontaire, pas de répit. Vous devez même assurer des permanences. Vous savez, toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Allô ? Oiseaux d'un même nid, gorées d'une même portée. Le chat et la souris, comme moi, vous jouez. Très joli. En vert en plus. Pourquoi est-ce que ça sonnait occupé ? À qui téléphoniez-vous ? Allez, SOS, Zinzin. Tu as tort de plaisanter, John. C'est une cabine publique, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu réponds simplement qu'une grosse femme téléphonait et qu'il a fallu une minute pour la faire accrocher. Une 298 km/h. Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Ah, bravo. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Attends, mais t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous, là? Il y a place partout et lui, il se met en plein milieu. Thank you.
Ça sent interdit, ça. Ça sent interdit, hein. Thank you.